Previously, on Borderland 2. Notre homme attend un signal. Il doit être en train de se remettre de sa cul d'hier. Alors tu vas devoir le réveiller. Le bruit de quelques sales gosses en train de brûler vif en même temps fera l'affaire. Tu as le matériel qu'il faut, ouais? Et sanguine son ami pour la vie. Trop fort. Trop de bruit. Trop mort. Et désolé que t'aies dû me tirer de mon sommeil, hein. J'ai un peu trop fait la fête hier soir. Sanguine et moi, on a pillé un convoi d'Hyperion. Pas vrai, Sanguine? Et il y a un train d'Hyperion qui traverse le Tundra Express à toute berzingue. La clé de l'arche est à l'intérieur. Mon conseil, voler la clé, se saouler, comater. Sans la clé de l'arche, Jack pourra jamais contrôler le guerrier. Ma vieille amie Tina pourra sûrement t'aider. Va lui parler. Je pense que lance-roquette, maintenant je peux le ranger, hein. C'est... Je pense que ça ira. Alors. Donc, elle est Martina. Bon. Merde, je crois que ça va ramener notre vaisseau si je passe par là. Non, c'est bon. Personne. Alors, ici, nous avons une barrière électrique. Alors j'ai cherché pendant un long moment où est-ce qu'il fallait pour la désactiver et en fait c'est pas si compliqué que ça. Je suis même passé juste à côté, j'avais pas vu. On va monter là-haut. Attends, on va pas monter là en bas. Tu vois cette merde. Et si on regarde par là, c'est où déjà qu'elle est? Il est où ce boîtier électrique à la con là? Ah, déjà un symbole de l'arche, oui. Et voilà. Alors. Voilà. Un petit coffre blanc, passage. Toujours appréciable. Quoi là-haut? Y'a rien, je pense, c'est juste un truc pour sniper. Ouais, y'a deux petits coffres là-bas. Et oui, comme vous avez pu l'entendre, il y a un train qui passe de temps en temps. Et il faut pas se mettre devant lui. Bien entendu. Bon. On va avoir deux, trois petits copains, normalement. Faut nous laisser tranquille. Alors, ah d'accord, bah. Bon, pourquoi est-ce que j'ai visé si mal là? Ah, et d'un. Une grenade. Voilà. Le dernier gros, maintenant il n'y a plus qu'à se les farcir tranquillou. Et bah voilà! Ça a été vite expédié! Hop.
Et un coffre rouge. Oh, il est peut-être plus que celui que j'ai. Oh, c'est mon rafale. Ça peut être pas mal, ça. Alors, voyons voir. Juste pour pouvoir comparer directement et puis pas se faire chier par la suite à se demander qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Alors... plus de dégâts, un peu moins de précision... cadence de l'amour... ouais, moins de charge... dégâts électriques plus importants... ouais, on va changer. Et ça, ça dit quoi? Ça dit mon SMG, il est mieux. Bon, allez, cette fois-ci, on va aller voir Tina. Et j'adore Tina. Elle me fait délirer. Alors, on m'a demandé en commentaire si... ah merde, je t'ai pas vu, toi. Voilà, vous voyez, Mordecai est en train de lui tirer dessus en même temps. Il file rien, lui. Ah. Le crime est humain, le pardon est divin. Si t'écoutes ça, c'est que tu m'as buté. Et franchement, je t'en veux pas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours conservé mes meilleures flingues dans le garage. Et vu que tu dois être une sacrée brutasse pour m'avoir dessoudé, tu les mérites. Je sais que ça ressemble à un piège, mais tu vas devoir me faire confiance. Et je vis encore mieux quand j'ai bu. C'est du Borderland. Bon, juste une petite quête vite fait, donc c'est juste pour le lol, quoi. Bon, jusqu'à hier, rigolo. Piégé. Oups. J'ai menti. Moi, tous les gens qui me tuent, c'est le chrono. Je veux compter chaque minute passée. Tous les gens qui tuent vite. Il y a une bonne précision, ce machin. Sans déconner, je tire, le viseur change pas. C'est bizarre quand même que le coup du cheviseur ne change pas du tout. Pourtant il n'y a pas de phrase spéciale ou quelque chose comme ça, c'est le viseur qui déconne. Non, pourtant le viseur bouge. Pareil. Et la peine, bon bah. Tout comme Marc. Dalle. Non, pourtant dalle ça n'a rien de spécial à ce niveau-là maintenant. Même si elle essayait de me tuer deux fois. Il faut tout de même admettre que ce type était très prévoyant. Effectivement. C'est une ordure. Merci. J'ai déjà un excellent fusil à pompe. Puis en plus, il utilise deux munitions pour tirer, donc c'est chiant. On va prendre celui-là, parce que je pense qu'il peut facilement concurrencer celui que j'ai. Il a un peu moins de précision, et puis la cadence est moins élevée, mais ça tient en rafale. Enfin, en rafale en cadence continue, quoi. Ils ont changé moins grande. Et surtout, ils n'utilisent pas de munitions par tir. On va le tester un peu.
moi je préfère. Ça me fait chier de cliquer comme un bourrin. Ok, cette fois on va peut-être pouvoir enfin aller voir Tina. Cette chaise posée comme ça. Ah ouais. Je pensais que c'était un truc qu'il faut exploser ou faire un truc du genre, mais apparemment non. Tina est une artificière et une amie. Je lui ai sauvé la vie 2-3 fois et elle aussi à plusieurs reprises. Elle te sera très utile. Mais si je peux te donner un conseil, évite les gestes brusques devant elle. Gestes brusques? Pourquoi? Ça va la peurer? Je sais, c'est une petite fille toute mignonne. Toute gentille. Impressionnable. Ah, ça explose pas ça? Apparemment non. Voilà, grosso modo, c'est quand même plus efficace en fait. Il y a moins de recul, je trouve. Alors. Ici, on régale, on s'amuse. Tout autour du statue, le chasseur traque le bandit. Le chasseur trouve qu'il a déjà bien ri. Et pouf! Très bipé, coyote. Parti le bandit. J'adore Tina. Roland m'a prévenu de ton arrivée. Je lui dois un service depuis cette histoire avec le général Duchemol. Alors faut choper un train, hein. Un jeu d'enfant. Faut que je te présente mes copines. Je cours à toutes tes jambes. Cours. Là, c'est Kaline ou Griffe Pâteuse. Et là, c'est Elvire la béquille. Ces nanas en ont dans le slip. Elles peuvent arrêter le train pour toi. Mais d'abord, je dois mettre la main sur leur petit boule explosif. Et malheureusement, les bandits les ont pêchés l'autre jour. Va les chercher! Je sais que Tina peut être bizarre, mais c'est la plus grande experte en démolition sur Pandore. Fais ce qu'elle te dit, et je te garantis qu'elle t'aidera à attaquer le train et à récupérer la clé de l'arche. C'est quoi ces trucs? C'est des bouts de... C'est des bouts de sale gosse, ça? Avec des ailes? Oui! Ok, Enfin, elles sont courtes ces nuits à elle. Entrez. Oh. Une fragmentation de moins et pour un peu plus de dégâts quand même. Mais surtout, il y a des dégâts acides en plus. Et elle s'expose plus vite. J'ai pas eu. À très bientôt! Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner! Essaye!
Hop, allez, hop. Voilà, on parle plus. Les morts n'achètent rien. Du coup, j'adore l'endroit dans lequel elle vit, quoi. Je sais pas, c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté village de Noël. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas trop. Je sais pas, ça fait très chalet. Bon, donc des boules explosives. Je trouve ça où, moi, des boules explosives. Il n'y a plus pour Bladov, pourquoi pas. Bonjour, je cherche des boules explosives. Dis donc, faut que j'en balance des balles avec cette connerie. Justement, il se fait slaguer et retire son bouclier. Quoi. Pas très malin. Hein. Mais où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. D'accord, lui il a complètement bugué, il sait pas ce qu'il fait. Complètement foiré mes tirs, moi. Vous voyez, je prends pas le temps de viser. Je prends le temps de viser. J'ai tout mon temps. De toute façon, ils sont nuls. Avec ça, pas besoin de viser. Oups. C'est pas grave. C'est dans ces cas-là qu'on est mis à bord du Tédior. De l'Hyperion. Faut le reconnaître, c'est des enculés, mais ils font des bons frames. Enfin, des bons fusils à pompe pour les SMG. Ou du moins. Ah, oui, ça c'est... Oui. Je tourne ça, ça fait une alerte générale, il y a tout le monde qui me saute à la gueule. On va éviter. C'était même pas la flèche que j'aille. Oh, prenez ça, vos gueules. C'est bon, je le bute. C'est pas le moment qu'un train arrive, ben là, c'est bon. Bon, il a attendu la mort, lui. Je vais pas m'éclater encore à faire un croyat, hein. J'ai fait descendre en vol, c'était comme une merde, quoi. Ah! D'accord. C'est ma chérie, elle a le bit plein de dynamite et un cul du genre qui fait.
Effectivement, Bohum, oui. Un genre suppositoire, c'est pas trop mal. Dans les rien de spécial. Non. Je sais pas, je suis pas sage, je me passe, ça peut être sympa. Ah, et pour info, mes autres persos, j'ai raté de les monter. D'accord, ils prévoyaient de faire du gros boom boom aussi. Eux. On va se contenter de tracer. Hein. Est-ce qu'on peut faire un musée avec ça? Genre. Non. Dommage. Ça peut être marrant. Bon, y'en a qui s'amusent au moins. Je sais pas quel stock de munitions il s'est gardé celui-là, mais... Remarque, il y a des flingues qui donnent des munitions. Des modes de classe aussi. Peut-être qu'il y en a. Sait-on jamais. Ça peut arriver. Je vais quand même m'éloigner de ces machins parce qu'un coup, il y en a un qui m'a pété la gueule. J'ai pas vu les dessins de lapin. Petite. Une petite minute. Ça va cartonner. Une bombe sur un train, explosion de gros bourrin. Picotti, picota, bouge ton cul de là. Je planque une petite bombe dans la meuf canon. Je fais tout péter, va y avoir des macabées. Scrooch, 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 scrooch. Ça fait plaisir de vous revoir, les minettes. Allez au boulot. Et ouais, y a des jumelles, mon gars. Oh, vas-y, ouais, vas-y, 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 vas-y. Ça me fait complètement délirer. On dirait qu'elle, avec sa tête, je sais pas, ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à du, le mec qui a fait l'étrange menace de Monsieur Jack. Je sais pas pourquoi du tout. Me demandez pas. Oui, c'est là. Mec à placer, mesdemoiselles, près du chemin de fer, et boum! Un bon plan? Un super plan. Elle est barge. Et c'est ça qui est bon. De tous les mecs qu'on a croisés sur Pandore pour l'instant, c'est elle la plus tarée.